نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا. أبوه عبد الله عبد المطلب، وهاشم عبد مناف ينتسب، وأمه أمينة الزهرية، أرضعته حليمة السعدية. مولده بمكة الأمينة، وفاته بطيبة المدينة. أتم قبل الوحي أربعين، وعمره قد جاوز الستين، وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم: قاسم وعبد الله وهو الطيب. La nourrice qui allaita le prophète sallallahu alayhi wa sallam le plus longtemps fut Halima al-Sa'diyya de la tribu des Banu Sa'd. Il resta auprès de ses soins pendant 2 années jusqu'à la fin de son allaitement. Ensuite, Halima demanda à sa mère Amina de garder le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès d'elle, et cela après que Halima vit toutes les bénédictions qui se répandaient en abondance dans son pâturage et ses troupeaux durant ces 2 années de maternage. Halima al-Sa'diyya a dit: « Nous ne cessâmes de connaître les grâces et les faveurs d'Allah qui ne cessèrent de se propager jusqu'à ce que s'écoulent ces 2 années de maternage et que je me sépare de lui. Sa croissance au cours de ces 2 années fut sans égale comparée aux enfants de son âge. À peine accompli ses 2 ans chez nous, il était devenu un garçon de bonne corpulence. »